des débats sans fin. Mais surtout, c'est savoir saisir les grandes occasions. Ce dimanche, Super Pactole Lotofoot de 2 millions d'euros. Parions Sport, nous sommes les parieurs. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez en parfaite harmonie. Avec votre esprit. Avec votre corps. Avec le monde. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Nouvelle Citroën C5X, hybride rechargeable. Devinez qui porte une preuve. Et on a fait une déclaration. François Cross sur l'extérieur et ensuite il a qu'à assurer le 2 contre 3 dans la formation. Il s'offre un doublé. Son septième essai déjà en Coupe d'Europe. Tentative de transformation pour un jeune coup qui peut donner l'avantage aux Irlandais à la 46e. Ouais, respecter les joueurs adverses et les buteurs. C'est Foggy, je le disais tout à l'heure. Plie mais ne rompt pas, il est sur le dos, il ne pourra pas aplatir. Il faut qu'il lâche, les Toulousains, il va prendre une pénalité sinon. C'est le capitaine Anderson qui a les mains sur ce ballon, ils sont au point de rupture là les Toulousains. Il y a hors jeu, il y aura l'avantage. Fini. On va lâcher les chevaux derrière, McCloskey, la montée, bonne montée de Lebel. Toujours avantage en cours. Il n'a pas profité, mais si ça joue encore. Il est stoppé là par Pipalaki. Cooney, Herring, pris par Arnold, il s'est fait mal. Burns. Ça tape avec Vermeulen au centre du terrain, un nouveau point de fixation. Très longue séquence de jeu imprimée là par les Irlandais. McCloskey le décalage. Là, il est en avant. Ouais, alors sauf qu'il va revenir à un avantage pour une position de hors-jeu et donner une pénalité aux Irlandais, évidemment. C'est la bronca ici au stadium qui considérait que. Bah, il n'a pas profité hein, de toute façon. Il n'a pas profité de. Je suis en train de regarder la passe, elle est forcément en avant, la pénalité qui n'a pas profité, donc il revient au Wainbarns, à 5 mètres de la ligne, quel va être le choix. Le capitaine, Ken Anderson, il va leur touche. Et changement côté Toulousain, Cécile, et d'importance. Important avec l'entrée d'un Schlemmer Anthony Jelon qui remplace Tyler Eichstein au poste de troisième ligne. À voir s'il va glisser au poste de troisième ligne centre ou rester à l'aile. Et la sortie également de Emmanuel Meafou et l'entrée du deuxième frère Arnold Ritchie. Ouais, les tours jumelles sont réunies et ça tombe bien parce qu'il va y avoir une touche là à 5 mètres de la ligne lancée. Et l'entrée d'Anthony Jelon qui va très probablement glisser au poste de troisième ligne centre et François Cross va retrouver sa place de frappe. En attendant, Anderson a capté ce ballon en touche. Là, il faut être solidaire. Il est parti. Attention de ne pas l'écrouler. François Cross reste sur ses appuis. Ah, le travail dans l'axe fait aïe. Et Ring repris par Arnold. Ah, mais derrière, Antoine Dupont sur ses appuis. T'es tout prêt à gratter ce ballon. La percussion de Vermeulen, 2 mètres encore à faire. Cooney pour Tridwell. Ouais, ça défend bien, ça ferraille là. Il s'est sorti un peu plus jeune. Le coup d'œil d'Anderson. Il a le soutien direct de Vermeulen. Il tente d'y aller. Le pick and go des Irlandais. Oh, il a rebondi au plaquage avant d'inscrire cet essai. Warwick qui donne l'avantage. On va revoir ce coup de pied au millimètre.
de cette séquence. Cramon est revenu prendre ce match.